Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vie, on dit parfois, pour aller loin, il faut aller ensemble, il faut être bien accompagné, il faut avoir des personnes qui peuvent te soutenir, des personnes qui peuvent t'aider. C'est dans cette optique que nous avons créé effectivement le groupe des pépites, parce que nous savons comment rechercher des crypto-monnaies, c'est difficile. Avec une tonne de projets qui existent, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre portefeuille? Comment on fait pour étudier, pour analyser même un projet? Quel projet on analyse dans cette pléthore de projets qui existent dans cette panoplie-là? C'est une question qui n'est pas facile. Et ce sont des difficultés que nous-mêmes nous avons rencontrées dans nos débuts. Ce sont des difficultés que nous-mêmes nous rencontrons encore aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est aussi aisé pour nous. Non, ce n'est pas aisé pour nous parce qu'il y a de tonnes de projets qui voient le jour chaque jour. C'est dans cette optique qu'on a voulu faire une expérience avec un petit nombre de personnes et on a eu un nombre de personnes qui nous a suivis dans ce premier batch, dans ce premier semestre où on a accompagné près d'une quatre-vingtaine de personnes. Près de 80 personnes qui ont comme ça pris ce parcours avec nous et qui ont décidé effectivement d'explorer ce qu'on pouvait effectivement offrir. Et nous avons offert un bon nombre de choses, une tonne de crypto-monnaies avec des projets derrière qui sont solides. Ça ne veut pas toujours dire que parce qu'un projet a quelque chose de solide, ce projet va performer. Mais quand on est dans l'écosystème crypto-monnaie, on a deux types de profils. Il y a des profils qui sont nouveaux et donc ces personnes-là, ils s'en foutent carrément de savoir ce qu'il y a, ce qui se cache derrière un projet. Mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des personnes qui sont nouveaux et qui ont du capital. Quand quelqu'un a le capital, il a plus de questions, il est plus regardant sur ce qu'il met dans son portefeuille parce qu'il ne voudrait pas se lever un bon matin et ce capital a disparu. Et c'est là où on se pose donc la question, quand on a le capital, qu'est-ce qu'on choisit? Quelqu'un qui ne veut pas dépendre du marché, qui ne veut pas être dépendant de tout ce qui se passe donc immédiatement et qui réagit chaque seconde par rapport au marché, qui est le cas des meme coins, qui est le cas des shitcoins, qui est le cas des projets qui ont très peu de projets solides derrière. Il faut être toujours en train de regarder ce genre de projet. Et donc, si quelqu'un ne veut pas regarder ce genre de projet, il a donc besoin des projets qu'il peut dormir et espérer qu'après 2 ans, s'il regarde son portefeuille, après 2 ans, cette crypto-monnaie sera encore là dans son portefeuille. Ou bien, cette crypto-monnaie a plutôt une grande chance d'être encore là dans son portefeuille. Et c'est ce que moi j'appelle la pépite. Je n'appelle pas forcément la pépite la même façon que vous, vous voyez peut-être le mot pépite. Certaines personnes, quand ils entrent dans le groupe, ils avaient peut-être les attentes que non, on devait donner les crypto-monnaies, que immédiatement le lendemain, ça allait faire quelque chose de fois 100, fois 10. C'est pas ça le but. Quand on entre dans le groupe des pépites, c'est pas forcément pour avoir ce genre de projet, mais c'est pour avoir des projets qui ont un potentiel qui est quand même d'une certaine façon certain. Un potentiel qui est quand même d'une certaine façon garanti. Garanti par plusieurs facteurs. La qualité du projet qui est derrière, la communauté qui est derrière, les personnes qui travaillent sur le projet et un bon nombre de paramètres dont on met effectivement dans votre radar quand on met ce projet. Donc nous avons fait une certaine façon où on va, pour chaque projet, on va te donner les détails du projet, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et on va donner une note de ce projet, une note pour te permettre de voir déjà quelle est la perception que nous avons du projet. Mais cela n'exclut pas le fait que vous devez toujours faire vos propres recherches, même si ce sont des personnes qui ont fait une analyse et derrière, qui connaissent de quoi ils parlent, ça n'exclut pas que vous devez toujours faire votre analyse derrière. Et donc, si tu as besoin de naviguer dans un espace aussi serein, avec des personnes qui mettent déjà une barrière d'entrée très forte et évite comme ça que tout déjà de projet que tu arrives, tu perds ton temps à analyser ou bien tu ne fais pas d'analyse et tu vas dans des projets qui vont t'arnaquer, alors tu es au bon endroit et c'est le temps pour toi de rejoindre le prochain groupe, de rejoindre la prochaine vague. Et la prochaine vague, elle va commencer effectivement le 20 septembre. Donc à partir du 20 septembre, on va permettre encore de me donner d'autres projets et un accompagnement beaucoup plus certain dans le groupe. En parlant d'accompagnement, on a effectivement appris de nos erreurs dans le premier groupe, dans la première version, dans la première expérience. La chose qu'on a apprise et qu'on doit corriger dans la deuxième, c'est d'apporter effectivement des signaux de trade, parce que quand il y a le marché qui est en train de bouger, on doit effectivement permettre aux personnes qui veulent être actives d'être actives en les accompagnant. C'est la raison pour laquelle
on va vous donner des signaux dans le prochain groupe. Et ce prochain groupe avec des signaux d'entrée, de sortie, bien évidemment, que ce soit spot, que ce soit feature, ces signaux vont être très, très, très importants parce que ça peut permettre un suivi beaucoup plus minutieux des projets dans lesquels vous êtes déjà en train d'investir. Parce que même quand on est investi dans un projet, parfois faire des swing trades, c'est très intéressant. Et voilà pourquoi on a donc décidé d'ajouter cette nouvelle fonctionnalité dans le groupe qui arrive. C'est encore un essai. Nous sommes en train de tester des moyens pour arriver effectivement à un produit qui sera effectivement beaucoup plus intéressant à l'avenir, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 3 ans. Donc, si vous voulez être au tout début, au tout départ de quelque chose qui sera probablement grand demain, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais c'est l'objectif que nous avons. Nous avons pour objectif d'accompagner un maximum de personnes et surtout à prix réduit. Quand je parle de prix réduit, c'est oui, effectivement, un prix réduit parce que pour tout ce qu'on donne et qu'on dit présentement $75 pour être dans un groupe pareil pour 6 mois, ça fait environ à peine quelque chose comme $15 par mois. $15 par mois, il y a très peu de plateformes qui peuvent vous donner, il n'y en a même presque pas dans l'écosystème, qui peuvent vous donner la qualité de ce qu'on vous donne à un prix aussi minime en fait. Nous ne nous focalisons pas sur le prix, tout simplement parce que on veut prendre de cette expérience-là. Et cette expérience qu'on acquiert, c'est quelque chose qui est plus important pour nous. Pour vous, vous acquérez des projets, ainsi de suite, c'est important pour vous, mais effectivement pour nous, c'est d'avoir effectivement une connaissance beaucoup plus large de l'écosystème, une manière beaucoup plus efficace de partager nos connaissances effectivement et d'accompagner un maximum de personnes. Donc pour ceux qui étaient dans le précédent groupe, vous aurez effectivement une réduction, donc vous allez payer plutôt $60 au lieu de 75, mais les nouvelles personnes qui vont rejoindre le groupe vont payer plutôt $75. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, passer, préparer ton bull run, poser des questions, être encadré, être avec des personnes, c'est toujours bien, bien évidemment. Plusieurs personnes souffrent dans cet écosystème parce qu'ils sont tout seuls. Ils ne savent pas vers qui ils doivent se tourner pour poser des questions. Ils ne savent pas si même ce qu'ils pensent, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, ce groupe, c'est un endroit où vous avez effectivement l'opportunité de vous exprimer auprès de d'autres personnes et auprès des personnes comme moi qui vont consacrer leur temps, analyser des projets et venir vous partager cela un peu plus minutieusement dans ce groupe où j'accorde un peu plus d'attention, bien évidemment. C'est pas pour dire que sur ma chaîne, je n'accorde pas d'attention. Non, c'est faux. Vous savez très bien que je partage toujours des informations et des connaissances sur la chaîne Elvis Konjo. Mais maintenant, pour un suivi beaucoup plus approfondi, beaucoup plus personnalisé, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ce groupe dans lequel je t'attends. Prends ta place, le lien pour rejoindre c'est en description de cette vidéo et on va faire partie encore de cette autre aventure et qui sera peut-être la période, les 6 mois pendant lesquels il y aura probablement le bull run. Le bull run, on l'attend autour de novembre, décembre, janvier et il a encore temps pour toi d'ajuster ton portefeuille, d'affiner ta stratégie et dans ce groupe aussi, on parle de stratégie bien évidemment. C'était Elvis Konjo, like et partage. Et je t'attends de l'autre côté pour continuer cette aventure. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Porte-toi bien. Ciao.